Salut à tous, c'est Artuck et bienvenue aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu fais foirer mon intro, bordel de merde! Allez, salut tout le monde, c'est Galax et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Agents of Mayhem. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur un jeu d'action pur et dur, comme vous pouvez le voir en open world. Un jeu que j'attendais pas mal parce que j'étais curieux de voir un petit peu ce qu'il allait donner. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un véhicule qui me fonce dessus, qui me fait décoller! Mais c'est quoi ce délire? Oh putain, c'est excellent! Oh, ce début de vidéo de la mort! Regardez où je me retrouve! Regardez où je me retrouve! Merci! Ah, merci pour ce début de vidéo collector! Merci beaucoup, ça passera dans un best-of. Si un jour quelqu'un veut bien me faire des best-of sur la chaîne, parce que moi je suis trop feignant au montage, bien sûr! Allez! En tout cas, aujourd'hui nous sommes sur un jeu effectivement complètement dingue, comme vous pouvez le voir. Un jeu développé par Volition, les créateurs de Saints Row, que vous connaissez sûrement, qui est une superbe série de jeux à la base GTA-like, qui est parti vraiment en complète cacahuète, on va le dire, par la suite, avec The Third, qui était déjà encore une fois un GTA-like, mais qui commençait à partir en couille, avec ensuite Saints Row 4 qui était vraiment génial, avec un univers avec des aliens, plein de choses comme ça, c'était encore plus fou qu'avant, et franchement j'avais vraiment adhéré à ce délire là, on pouvait planer, voler, bref c'était excellent, on pouvait courir super vite, et moi j'avais adoré Saints Row 4 très clairement. J'avais joué également à Get Out of Hell qui était un petit chouïa moins bon quand même, on va pas se le cacher, même si moi je l'avais terminé, j'avais plutôt apprécié mon aventure, mais c'est vrai que je trouve que le meilleur pour moi des Saints Row ça reste Saints Row 2. Mais bon, ne parlons pas que de Saints Row, parce que là on est vraiment sur un jeu Volition, certes, mais un jeu avec son propre univers, avec des super-héros. Vous allez incarner du coup des agents de Mayhem. Actuellement nous sommes avec un agent vraiment bien badass, nous sommes avec Artuck, du coup le mec avec son shotgun, avec son fusil à pompe. Vous avez également deux autres persos dans l'escouade quand vous commencez le jeu. Vous avez Fortune, vraiment Fortune c'est un perso un peu plus agile, un peu plus classe. Vous avez également Hollywood, c'est un personnage un petit peu polyvalent je dirais, avec un fusil d'assaut, bon assez classique au final. Et vous allez avoir en tout dans le jeu 12 agents, et dont il me semble, bah, je ne sais pas, peut-être une dizaine à débloquer, un petit peu moins du coup, vu qu'il y en a 12, on en a déjà 3, donc on va dire 9 agents, il me semble, si je sais compter, à débloquer dans le jeu via des missions particulières pour ça, justement. Ensuite, vous allez devoir tout simplement battre un groupe de super méchants nommé Légion. Alors, évidemment, que ce soit Mayhem ou Légion, je ne vous dirai pas le nom complet, parce que forcément ce sont des initiales, mais les noms complets sont complètement what the fuck. Je me suis dit quand j'ai lu ça sur un site spécialisé, j'ai fait mais what the fuck, mais où les développeurs sont allés chercher des noms pareils, fallait vraiment les inventer, hein. C'est un truc de fou, bref, donc on va rester vraiment sur les initiales, sur Légion et sur Mayhem. Alors au niveau des menus, au niveau des persos, je voulais vous montrer directement le menu parce que c'est important. Par contre on va se faire dans un endroit un peu plus clair s'il vous plaît, et après on partira sur une mission du jeu, voilà, tranquillou, tomber du ciel. Bon, alors, l'arc, qu'est-ce que c'est? L'arc, c'est tout simplement le QG un petit peu des Mayhem, voilà, de l'agence. Agence tout risque. L'inventaire, donc qu'est-ce que l'inventaire? Vous allez avoir différentes choses. Principalement donc l'inventaire avec votre argent etc, bon ça on s'en fout un petit peu. Vous allez avoir les technologies de Gremlin, rien à voir avec les Gremlins hein, je vous préviens. Les technologies donc faut les fabriquer, et après vous pouvez les utiliser tout simplement contre les ennemis que vous aurez dans le jeu. Donc là par exemple une boule géante, et vous aurez bien sûr plein d'autres choses, donc ça c'est à fabriquer. Également là vous avez le choix des missions, donc opération de Légion, les missions principales. Vous avez les recrutements, les contrats en ligne tout d'abord. Ensuite les recrutements, donc c'est ça qui va permettre de recruter via des missions opérations spéciales les différents personnages. Ensuite vous avez les occupations de Légion, donc ça c'est tout ce qui est mission secondaire. Et enfin les tâches, donc ça c'est les missions secondaires, super secondaires, voilà. Mais c'est vachement cool encore une fois de faire ce style de mission qui est souvent très très court en plus. Donc ça c'est pas plus mal, c'est ce qu'on fera également un petit peu je pense aujourd'hui. Au niveau de l'inventaire, donc j'ai déjà montré l'escouade, voilà, ça c'est le plus important, l'un des menus où vous allez passer clairement je pense le plus de temps. C'est le menu d'amélioration des persos. En gros vous avez vos 3 persos. Donc là vous avez le niveau du perso actuellement niveau 6 pour les 3. Vous avez la jauge d'XP. Vous avez effectivement le nombre de points de santé, donc là 8224 pour attaque avec 3290 points de bouclier. Vous allez sur lui, vous avez les gadgets, les améliorations et les améliorations noyaux. Vous allez dans gadgets et vous avez plusieurs options sélectionnables. Donc par exemple le téléharpon, c'est effectivement la première capacité débloquée dans le jeu. Donc vous lancez un harpon contre la cible qui l'amène vers vous, qui l'étourdisse, qui l'amène vers vous, et vous pouvez le bam, le shotgun direct, c'est vachement cool. Le tortue harpon, donc
Donc pareil, ça envoie un pic, un harpon justement du coup dans un mec, ça le ralentit et ça l'affaiblit et vous avez plus de temps comme ça de le dégommer, c'est vachement bien. Bref, plein de trucs comme ça, vous avez donc le spécial, l'arme et le passif. Voilà, donc ça permet d'avoir effectivement plusieurs capacités, améliorations pour le personnage. Ensuite, vous avez... Alors, c'est marrant parce que ça pour moi, c'est également... Alors, c'est des gadgets, mais bon, ça peut paraître aussi également des améliorations, alors qu'il y a deux types, il y a les gadgets et il y a les réelles améliorations. Et là, du coup, ça augmente les bonus de santé, ça augmente la vitesse de rechargement, les résistances, et ainsi de suite, c'est vachement bien. Et d'ailleurs, une chose qu'ils ont mis en place qui est cool, c'est que vous pouvez réinitialiser tous les points, comme ceci, et les réattribuer ensuite. Ça, franchement, c'est juste super bien. Voilà, et c'est bien d'y avoir pensé, j'aurais bien aimé pouvoir le faire sur ma série Top Spin 4 en ce moment. Mais bon, je ne peux pas, effectivement, c'est un jeu qui date de maintenant, je ne sais pas combien d'années, donc ça aurait été compliqué. Bref, et enfin, vous avez l'amélioration des noyaux. Alors, les noyaux, c'est pour améliorer une compétence définitivement par rapport à un agent. Voilà, donc par exemple, moi j'ai choisi Silence dans les rangs, il inflige plus de dégâts au commandant de Légion. Tout simplement. Voilà, donc c'est vachement bien. Et vous avez la même chose pour les trois persos. Bref, je pense que vous avez compris. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, on va retourner dans l'arc. Et oui, moi je suis comme ça, je vais vous montrer le maximum de choses en une seule vidéo de gameplay. On va changer les squads, tout simplement. Donc là, c'est le mixeur, comment ça va? Donc là, il y a un mec qui nous parle, ça peut être un mec, ça peut être une fille. Et après, temps de chargement pour entrer justement dans l'arc de Mayhem. Donc c'est le QG, comme je vous l'ai dit. Petite musique qui pourrait paraître un petit peu au final ringarde, mais pas du tout, je trouve vraiment que ça contribue à l'ambiance propre au jeu. Donc voilà, nous arrivons dans l'arc, et là regardez-moi cette beauté de QG, franchement il est magnifique, et en plus avec de la verdure, des arbres colorés. Franchement le jeu d'ailleurs est très joli, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve vraiment que le jeu est très beau avec son cel shading, les cinématiques d'ailleurs sont pas mal, hein. Je pense pas qu'on en verra aujourd'hui, mais les cinématiques sont réellement magnifiques en dessin animé, encore une fois, vraiment c'est la classe, et voilà, je trouve que vraiment rien que pour ça, c'est super joli à voir, en tout cas c'est agréable à l'œil. Alors, là on va arriver dans des trucs, bon ça on s'en fout un petit peu, je vais vous faire un petit tour de pâté de maison. Donc là nous avons, il me semble ici le garage, exactement, vous pouvez choisir votre véhicule. Donc admettons, pour l'instant c'est vrai qu'on n'a qu'un seul véhicule, on a que l'Hammerhead, mais au fur et à mesure on en aura plusieurs, l'enforceur, Neuron, etc. Et là on peut sélectionner le skin. Par exemple, je peux prendre ce skin-là, qui est plutôt cool aussi. Voilà, et ça va changer forcément la maniabilité, la force et la vitesse. Quoique non, je suis con, non, c'est les voitures qui changent, excusez-moi. C'est les voitures qui changent ça. Autant pour moi, je n'ai rien dit. Voilà, les skins ne changent absolument pas ceci. Bonus turbo dérapage, ok, ça change rien du tout. Voilà, je voulais vérifier, mais non, ça change rien. Autant pour moi, donc c'est vraiment les véhicules, selon le véhicule, que ça change au niveau des caractéristiques. Ça, je pense que vous vous en doutez un petit peu. Quelque chose d'assez important aussi qu'il y a dans ce jeu, je trouve ça plutôt pas mal, c'est une sorte pour moi d'entraînement, c'est la salle de castagne. Donc attendez, regardez, je vais vous montrer. Choisir par exemple, je vais vous mettre les seins de la mort. C'est parti, on y va. En gros, ça va vous faire une salle, vous allez pouvoir... Allez, on se déploie direct. Vous allez pouvoir dégommer plein d'ennemis. Et en fait, ça permet de s'entraîner, je trouve, un petit peu au shoot, etc. Avant d'aller directement sur la map globale du jeu. Voilà. Et au fur et à mesure, effectivement, les combats vont être de plus en plus compliqués. Ça, je pense que vous en doutez. Là, on est au troisième combat, troisième ou quatrième combat dans cette salle de simulation. Et honnêtement, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était plutôt sympathique. Là, par contre, regardez, ils sont tout en haut. Oh, j'en ai eu un dans les airs, c'est magnifique. Donc là, je joue avec le mec super bourrin, mais sachez, vous pouvez très bien switcher avec vos trois persos. Et quand l'un de vos persos est touché, quand l'un de vos persos n'est pas bien du tout, vous pouvez, ne vous en faites pas, switcher sur un autre. Oh putain! Alors ça, c'est des ennemis qui arrivent au corps à corps, qui te sautent dessus, et faut vite les tuer, sinon c'est mal embarqué. Ouah! Vas-y! Bonjour! Attends, super attaque, c'est pour toi. Dégage. Attention! Ah, ils me prennent de tous les côtés, ils me prennent de tous les côtés! Ah ouais, ah vous aimez ça, hein. Voilà. Allez. Donc ouais, univers effectivement très particulier pour ce jeu. Je pense pas que ça plaira à tout le monde. Mais honnêtement, pour ceux qui ont aimé les derniers Saints Row, je pense que ça peut être vachement... T'étais pas morte? Oh mais... Attends. Calme-toi. Ah, et là il me semble qu'il y a le capitaine. En tout cas le commandant, je sais pas exactement comment ça se présente. Allez, on va changer de perso. Là on va prendre notre perso un peu plus polyvalent, qui a une sorte de fusil d'assaut tout à fait classique. Bim, une petite grenade. Ah merde, ça c'est à envoyer du coup, il y a plein d'ennemis, sinon ça ne sert absolument à rien. Et donc, l'amélioration. Allez, l'attaque Mayhem de Hollywood, par exemple, donc c'est notre perso ici présent. L'attaque spéciale de Hollywood, c'est de balancer une musique. Tout simplement, et en gros de faire exploser tout autour de lui. Et vous avez votre troisième personnage, donc c'est la fille. Hop, c'est Fortune.
Elle, sa particularité, donc son attaque spéciale, ça va être d'avoir un drone. Voilà. Le drone que vous voyez qui est juste à côté d'elle. Et on pourra l'envoyer quand on aura du coup sa super attaque Mayhem. Du coup, pour l'instant, on l'a pas. Programme terminé. Déjà, easy ma gueule, il n'y a même pas un perso qui est mort. Eh bah tant mieux. Parce que oui, sur le programme d'avant, j'ai eu un perso et je crois que c'était mon gros bourrin attaque qui était décédé. Et là, il n'y a eu absolument aucun problème. Ok. Bah écoutez, je voulais au moins vous montrer ça. Et là, on obtient quoi? On obtient deux éclats de cristal. Les éclats de cristal, ça permet quoi? Ça permet de débloquer, au bout de 10 éclats, un noyau d'amélioration. Voilà, donc ça c'est important de le savoir aussi. Donc c'est bien de faire quand même effectivement ces sessions d'entraînement, de simulation ici. Voilà. Alors bien sûr, il y a plein de choses que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Vous vous doutez bien qu'il y a tellement de choses à voir dans ce jeu. Il est tellement grand. Par contre, tiens, en parlant de grand, il y en a beaucoup qui vont me demander, est-ce que la taille de la map... Est-ce que la map est volumineuse? Est-ce que la map est grande? Et ainsi de suite. Alors, sachez que la map, je ne sais pas du tout la taille, mais c'est vrai que c'est très, très, très loin d'être une map immense. Voilà, on est très, très loin d'un GTA V, ou même de n'importe quel GTA, je pense, quoique peut-être les premiers si. Mais disons, non, c'est vraiment très, très, très petit, je trouve. Mais honnêtement, est-ce qu'on a besoin de plus? Rappelez-vous, par exemple, le premier Saints Row. Moi, Stillwater, c'est ça, je crois. Il me semble que c'est Stillwater. Je trouvais pas que c'était une map qui était très grande. C'était même très petit. Et honnêtement, ça suffisait amplement pour se faire plaisir. Donc, pourquoi avoir besoin d'une map géante? Ça va bien à un GTA, mais ce jeu, c'est pas sa volonté première d'être un GTA. C'est vraiment pour moi avant tout un Crackdown, je trouve, qu'un GTA. Et un Crackdown, pareil, il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas cette volonté d'avoir une map immense. Donc voilà, je trouve que ce jeu, au niveau de la map, c'est suffisant. Et c'est bien d'avoir justement un monde libre comme ça, parce qu'on se sent bah, justement libre, forcément. Et ça permet beaucoup de liberté d'action tout de même. Allez, donc ce qu'on va faire maintenant, on va partir, non pas vers une mission principale, parce que je vais éviter de vous spoiler, entre guillemets, bon, voilà, je le ferai en live, hein, toutes les missions principales, donc, du coup, tranquille, enfin, je pense que je ferai en live, ou alors je ferai de mon côté, hein, je sais pas encore ce que je ferai, mais vu que je fais pas en vidéo, il se peut que j'y joue de temps en temps en live, on verra bien, voilà ce qu'on fera, peut-être qu'on fera pas du tout de live, peut-être qu'on en fera, et donc, ce qu'on va faire, on va passer directement sur l'onglet mission, je vais aller réaliser quelques tâches, si vous le voulez bien, donc, par exemple, on va aller détruire un camion de Légion. Allons-y, on est à peine à 189 mètres. Et regardez, j'appelle ma voiture. Salut! Comme Tornado, effectivement, avec Zoro. Ou plutôt comme Zoro avec Tornado, parce que bon, c'est pas Tornado qui appelle Zoro, hein. Voilà, imagine le cheval. Ce serait complètement dingue. Donc là, on va en direction de la mission. On va doit y détruire simplement un camion de Légion. Donc Légion qui sont les gros méchants. Tout simplement. Et enfin voilà, c'est vrai que le jeu au niveau de l'histoire s'articule vraiment sur... Alors il y a pas mal de trucs quand même, il y a quelques subtilités je trouve dans l'histoire, même dès le début, mais après effectivement est-ce que c'est... Elle est trop belle la voiture avec ce skin, magnifique. Est-ce que c'est vraiment l'histoire qui va faire que vous allez jouer à ce jeu? Franchement je pense pas, hein. Je pense vraiment que c'est pour l'action, c'est pour le côté défouloir, brut de pomme. Et vraiment, je pense que c'est pour ça qu'il faut acheter Agents of Mayhem. Alors attendez, Swiffer, je vais rentrer dans le véhicule direct. Salut! Est-ce que c'est lui que je dois péter? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un camion de Légion? Non, c'est le camion que je dois péter, ok. Allez, pète le camion. Mais c'est un camion! Mais oui! C'est un camion! Rentre dedans! Voilà, mission terminée! Alors, pour info, comme vous pouvez le voir, j'allais dire que ma voiture est indestructible. Mais non, apparemment, regardez, j'ai perdu la portière, j'ai perdu le capot. Si, elle est destructible. Mais il vous suffit de faire une chose, à mon avis, hein, tu fais comme ça, tu rappelles une voiture, et à mon avis, elle revient. Et toute neuve. C'est hallucinant, ça. What? What? C'est le deuxième saut complètement épique de la vidéo, mais c'est quoi ce délire? Ok, alors, faut savoir une chose, c'est qu'on est encore dans une phase, non pas bêta, mais on est effectivement avec une version preview, en tout cas, parce qu'effectivement... c'est vrai que j'ai eu le jeu le 11, donc voilà pour vous dire qu'effectivement on l'a eu un petit peu en avance, donc la presse et les youtubeurs et ainsi de suite, donc c'est vrai que voilà, on peut voir que le jeu parfois a quelques petits bugs. Alors honnêtement là ils sont très marrants, hein. Franchement c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux moi que je connais qui ont des bugs, et il y a beaucoup de bugs très drôles. Là tu vois t'as les véhicules qui tournent dans tous les sens, c'est trop marrant quoi, c'est complètement nawak. Et moi ce qui me surprend, oh, il s'est explosé tout seul le mec, ce qui me surprend toujours c'est que regardez, quand tu rentres dans un véhicule, il y a des points de dégâts. Et ça, c'est vachement bien. C'est un petit peu le côté, voilà, Overwatch. On va dire Overwatch, Borderlands, un petit peu du jeu, quoi. Allez, donc, on a fait la mission? Bah oui, on a détruit le camion.
on va aller prendre autre chose. C'est parti. À savoir qu'on peut se faire attaquer n'importe quand dans l'open world. Hein. N'importe quel ennemi peut vous attaquer s'il a envie de t'embêter et tout, tu vois. Donc attention à ça. Alors, capturer le véhicule, non. Un véhicule spécifique de Légion, non. Course de reconnaissance, allez. Une petite course de reconnaissance, on va tenter. Alors, j'essaie de prendre la plus proche. Alors, il me semble qu'une course de reconnaissance, j'en ai déjà fait une. Ça doit être, il me semble, si je dis pas de conneries. Une course à pied, avec plusieurs... Mais c'est quoi ce délire? Et ben voilà, tu vois, là on m'attaque. C'est ce que je vous disais, on peut t'attaquer à tout moment. Et je disais donc, c'est une course checkpoint à pied, tout simplement. Et... Ah ouais. Ah d'accord, comment on va faire pour monter là-haut? Ce qu'on va tenter, les gars, on va essayer de faire un truc... Mais bougez-vous! On va essayer de trouver une solution pour complètement... Alors là on m'attaque par contre, c'est un petit peu dérangeant. On va essayer de trouver une solution pour monter là-haut, parce que je vois pas comment c'est possible. À part si on prend un véhicule. Ouais, peut-être avec un véhicule. Attends, je teste un truc. Ah non, parce qu'on peut monter sur le balcon. Camion de Légion, mission terminée. Ah, j'ai rien demandé, je viens de terminer une mission. C'est énorme. J'ai rien demandé, je viens de terminer une mission. Non mais allô quoi. Alors attends, j'essaie de monter par là. Comment accéder à cette foutue course? Attends, je vais prendre... Mais non, mais utilise pas ta capacité spéciale, mec. Il n'y a pas moyen de s'accrocher. Attends, je prends attaque peut-être parce que chaque suit il a son harpon. Attends, je sais qu'il peut utiliser son harpon, le mec. Voilà. Interagir. Ah, attends, on peut tricher un petit peu avec attaque peut-être. Interagis. Non, je peux pas. Donc je sais pas du tout comment on monte là-haut. Bon, bah écoutez, on va prendre une autre mission. Je sais pas du tout comment on monte là-haut. On va pas perdre de temps non plus hein, parce que ça va me saouler. Livraison. Foncez à travers les checkpoints pour livrer un paquet spécial. Allez, livraison de Mayhem, c'est à 412 mètres. Je vais rappeler la bagnole. Viens par ici, défonce tout. Waouh. Allez, on va aller livrer tout ça. Je suis dans le mauvais sens, hein. Hop. Regarde, je suis dans le mauvais sens. On va repartir bien comme il faut. Alors, au niveau de la conduite, je vous en ai pas parlé. Au niveau de la conduite, franchement, ça va plutôt pas mal. Je trouve que... Comment c'est une reconnaissance? Mais non. Mais qu'est-ce que tu me fais? Ah, il m'a switché la mission, ce con. Non, non, tu me retires, s'il te plaît, cette mission. Je veux la livraison. S'il te plaît. La livraison. Voilà. Je veux la livraison pour Mayhem. Exactement. Je ne veux pas la course de reconnaissance. Je sais pas pourquoi il me remettait sur l'autre truc alors que je la demandais plus. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et on a également un petit turbo. Voilà, vous pouvez accélérer, on peut drifter avec la touche A. D'ailleurs, le drift est un peu particulier. Parce qu'en gros, plus vous maintenez la touche, et plus effectivement ça tourne. Alors, ça, c'est une station de service. Attends, je suppose qu'on peut la faire exploser. Fais voir. Ah oui, regarde. Normalement, ça va exploser là. Ouais. Joli. Ah, c'est bizarre que celle d'à côté explose pas. Eh, c'est pas mal foutu, mine de rien. Hein. C'est pas mal foutu. Attends, regarde ce qu'on va faire. On va balancer ici. Regarde. Ah, faut quand même bien balancer, quoi. Ah, parce que l'autre, avec son shotgun, il le déglingue en une fois, mais elle, avec ses petits flingues, c'est un peu plus long. Voilà. Et franchement, ça, c'est super bien foutu. Sans déconner. Alors, par contre, maintenant, pour monter, on va essayer de passer par là. Je suis con, moi, je viens de détruire mes trucs pour monter, quoi. Enfin, les trucs les plus gros, en tout cas. Allez, c'est bon. On interagit, on va commencer la course. Alors une course énorme que j'ai jamais faite. Oh, sur un gros véhicule 4x4 que je n'ai pas encore. Allez, petite course du coup dans ce jeu. Ce serait bien également d'avoir un petit peu de combat, de fusillade, histoire de vous les montrer parce que c'est clairement le plus gros truc du jeu, c'est vraiment les fusillades. C'est un jeu qui se base clairement sur les fusillades, sur l'action, sur tout ça, bien plus qu'un GTA, je trouve. C'est vraiment le tir qui est mis au centre du jeu. De toute façon, je pense que vous le comprendrez très très vite hein, pour ceux qui vont jouer au jeu. Dès le début, bah, c'est basé sur le tir de toute façon. Hein. Voilà, sur l'upgrade des personnages, etc. Et franchement, c'est un jeu complètement différent, je trouve, d'un GTA et d'un Saints Row. Voilà, sans déconner. Effectivement, tu le vois que c'est issu de l'univers Saints Row. Ça se ressent que c'est fait par les créateurs de Saints Row. Mais c'est complètement autre chose. Et franchement, le comparer à un Saints Row, je trouve ça un petit peu abusé parce que... Certes, on reconnaît cet aspect un petit peu, voilà, monde ouvert, les couleurs, les graphismes, mais honnêtement, on en est très très loin, voilà, au niveau de plein de choses. Et alors moi, j'avais adoré les Saints Row, j'aime bien ce jeu. Est-ce que je l'aime autant? Bah, je sais pas, c'est très différent, et puis en plus, je suis pas allé encore très très loin, donc je pourrais répondre à votre question peut-être dans un live, si jamais je fais un live sur le jeu, ou alors si je vous fais une prochaine vidéo plus tard, quand j'aurai avancé un peu plus, tout simplement. Bon, en tout cas, il est très très fun, vraiment... C'est très très fun et pour l'instant je me suis pas ennuyé. J'ai fait 5-6 missions et donc du coup aucun ennui. Voilà. Donc là on a gagné la course. Eh oui, victoire, course terminée. Et en bonus on fait péter un camion à la fin. C'est ça qui est bon. Ah ouais. Mine de rien c'est bien foutu. On voit bien qu'ils sont cramés hein, les trucs.
Oh non, c'est quoi ça? What? Citoyen énervé. Mais pourquoi donc? Mais pourquoi donc? What? Mais lui aussi, qu'est-ce qu'il a là? Citoyen énervé. Eh, t'as vu quand les citoyens ils sont pas contents, quand ils sont vénères, ils sont en rouge. What the fuck? C'est trop bizarre. Oh putain, mais je vous dis, c'est un monde de cinglés. Ce jeu, c'est un monde vraiment. Mais pourquoi t'es énervé toi? Mais calme-toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Ah, je préfère. Barre-toi. Tu vois, il est énervé, mais c'est pas pour autant qu'il vient me frapper. Mais il est chelou lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Non mais, c'est fini, oui. Victime par coup impitoyable, mais je sais pas pourquoi, il est en rouge, je sais pas pourquoi. Bref, bon, on va faire autre chose. C'est n'importe quoi, mais ce jeu est nawak. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? Otage à secourir, allez, on va tenter ça. Otage à secourir, encore une fois mission secondaire. Et là, j'espère qu'on aura un petit peu de face de chou. J'en ai pas encore beaucoup fait des otages. Donc on va découvrir un petit peu ça. Otage à secourir. J'espère qu'il y aura du méchant. Moi, je veux du méchant pour vous montrer une vraie phase de fusillade. Ah ouais. Ou au pire, on prendra... Il y a peut-être sûrement des missions pour déglinguer les quartiers de Légion et tout. Je pense que je vais pouvoir vous montrer ça juste après. Parce que les phases de fusillade, ça reste le plus important. Alors, je crois qu'apparemment, fallait pas que j'avance autant dans le tunnel. Attends, mais ils m'ont changé là. What? Attends, ils m'ont retiré. Mais what the fuck? Pourquoi vous m'avez retiré la mission? Déconnez pas, les gars. Ah ouais, c'est là. C'est pour ça. Ok, je vais sortir ici. Et la prise d'otage est toute là-haut. D'accord. Bon, je pense que je peux monter là. Ah, par contre, là... Ah ouais, c'est encore autre chose, là. Comment monter tout là-haut? Oh là, c'est quoi? C'est un château fort? What? Comment on fait? Oh, un archer, salut. D'ailleurs, il y a un agent, effectivement, dans le jeu. C'est un archer. Je sais plus comment il s'appelle. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Je vais prendre attaque, juste pour qu'il aille plus haut, si possible. Attends, et donc... Mais attends, mais pourquoi il me retient toujours la mission? Qu'est-ce que c'est mal foutu, ça? Attends, otage à secourir. Ah, c'est là. Ouais, bah, va y monter là-haut, toi. Bonne chance. Ah bah oui, sur la tête. Oh non. Franchement, si j'y arrive comme ça, c'est énorme. Non, mais je crois que ça passe, en plus. Mais oui, Galax, mais oui, monsieur. Comment j'ai réussi à monter? Interagir. Ah merde, il est là, l'otage. Bonjour. N'est par ici, monsieur. N'est par ici. Meurs. Non, ça va exploser, l'otage. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Allez, libère, vite. Tu veux bien la libérer ou comment ça va se passer? Faut que je fasse quoi au juste? Attends, faut que je fasse péter ce machin? Matière noire, mais non, faut la libérer d'abord, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Bah, je pense qu'il faut que je la libère. J'ai pas compris. Attends, mais pourquoi ça me passe sur l'autre mission alors que l'otage est encore enfermé? Je comprends pas. Détruisez la bombe. Détruisez la bombe. Ah ouais, bah faut que je la pète. Mais l'otage alors? Ah d'accord, et quand on fait péter la bombe, l'otage explose pas avec. Mais what? C'est encore plus débile. Bon, c'est pas grave. Alors, oh putain, n'importe quoi. Donc, avant-poste contrôlé par Mayhem. Voilà. Allez, on va faire l'avant-poste du coup. Parce que là, sûrement qu'on pourra choper pas mal d'ennemis assez intéressants à vous montrer dans cette vidéo. Histoire d'avoir au moins une phase de shoot, quoi. C'est vrai que depuis le début, je vous ai montré tout sauf du shoot. Alors attends. Appelle le véhicule. Salut! Hop là! Oh, c'est tellement stylé. Bon, par contre, elle fume encore. Je suis pas d'accord. Ça rime en plus. Alors, avant-poste contrôlé par Mayhem. Mais non, pas l'avant-poste contrôlé par Mayhem, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi ça? Détecte la présence de Légion. Ah, d'accord, tu veux dire que oui, c'est mon avant-poste. Mais il y a l'ennemi, Légion, qui tente de le reprendre. Voilà, effectivement, nous ne sommes pas d'accord du tout. C'est à moi. C'est ma propriété. Je vais le défendre jusqu'au bout. C'est mon territoire. C'est une sorte de garde-gang du futur, en fait, tu vois. En gros, c'est ça. Vous prenez Saints Row, mais mode futuriste. Et en fait, on est à Séoul, hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Je sais pas si je vous l'ai dit, d'ailleurs. Je crois pas. Nous sommes dans un Séoul futuriste, en fait. Ouais. Tu veux me dire qu'il faut monter tout ça? Ah ouais. Bon, on va essayer de faire étape par étape. Petit à petit, vous en faites pas.
On s'en sortira, ou pas. Alors, est-ce que je peux monter par là, votre avis? Ah, mais je peux pas tenir. Alors, on va devoir trouver une solution. Comment grimper sur la tour en face? À votre avis, est-ce qu'il faut passer par cette tour-là pour passer à celle d'en face? C'est une bonne question. Il suffit simplement, parfois, de trouver juste une plateforme, en fait. Tu vois, là-haut, t'as une plateforme. Tu peux peut-être prendre la plateforme et y arriver plus haut. Des fois, c'est tout con, hein. Des fois, c'est absolument tout con. Voilà. Tu as une plateforme ici, regarde. C'est une plateforme pour monter, ça, non? Je crois que oui. Attends, ne bouge pas. Je pirate. D'ailleurs, il y a pas mal de phases de piratage comme ça dans le jeu, hein. Ah, tu mets en place la plateforme pour aller tout en haut. Il me semble d'ailleurs que c'est l'endroit où on est tout au début du jeu, ça. Voilà, on interagit. Et là, regardez, hop, je monte. Et ça va me permettre d'accéder, justement, à l'avant-poste. C'est parfait. Et oui, c'est un avant-poste qu'on a fait en mission, ça. On l'avait récupéré, effectivement, au tout début. Mais pourquoi tu me changes la mission? Non, avant-poste contrôlé, voilà. C'est cette mission. Qui veut me piquer mon avant-poste? Qu'il se présente ou se taise à jamais. Et dans tous les cas, il va se taire à jamais. Bon, qui attaque mon avant-poste? Je ne vois personne. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit que mon avant-poste vous attaquait. Je ne vois rien de suspect. Personnellement. Donc écoutez, je pense que c'est du bluff. Je pense que le jeu me fait croire qu'il y a du monde dans mon avant-poste. Alors qu'il n'y a personne. Bon. Bah écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas te dire grand-chose, moi. Il y a personne. Bon, on va ailleurs. Je sais pas pourquoi ils m'ont dit qu'il y avait un truc à faire ici. Alors franchement, peut-être un bug de mission. Va pas chercher. Alors, empêcher les gens de patrouiller. Ah bah voilà, je suis con. Au pire, je vous montre un petit peu de patrouille. Au moins, ça vous montre un petit peu les fusillades. Très rapidement. Voilà. Ah, j'ai vraiment pas vu de mec ici, hein. J'ai vraiment vu personne. Incroyable. Bon, en tout cas, ça permet de vous montrer un petit peu le côté crackdown, le côté escalade. Qui est très basique, hein, au demeurant, évidemment. Ah, il y avait quelqu'un là-haut. Ah ouais, bonjour. Dommage que je n'ai pas de sniper. Ça aurait été bien. Je l'aurais snipé. Alors, je sais dans le jeu qu'il y a un agent, hein, qui est au snipe. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas encore débloqué. J'aurais beaucoup aimé. Allez. Attention. Merde, je suis con, c'est un peu loin. Je vais appeler ma voiture, quand même. Pareil que ça se fait. Et là, on va aller se déglinguer une patrouille. Allez, on va aller se déglinguer. Poussez-vous! On va aller se déglinguer une petite patrouille là-bas. Et puis, je pense que je vous aurais montré pas mal de trucs sur le jeu. Alors, évidemment, pas tout, hein. Je peux pas tout vous montrer. Et d'ailleurs, pour justement pour en voir un peu plus, les gars, il faudra aller voir un live du jeu. Donc, si je fais un live du jeu, je vous le dirai. Je vous le dirai sur YouTube, je vous ferai une annonce. Ou alors, je vous le mettrai directement sur YouTube, je sais pas encore. Ou alors, bah, n'hésitez pas à aller checker les tests sur les sites. Hein. Allez, une patrouille. Alors là, par exemple, j'ai changé, je vais prendre... Oh, d'accord, t'es comme ça. Salut. Boum. Alors, regardez, là, ils sont un petit peu ralentis. Bonjour. Très bien. Et là, au fur et à mesure, si vraiment ils sont vénères, tu fais augmenter, tout simplement... Mission terminée, donc patrouille de Légion. Tu fais augmenter en haut à droite, un petit peu à la manière d'un GTA ou d'un Saints Row, les étoiles de police. Et tu vas avoir de plus en plus d'ennemis puissants. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est pour toi, Coco, reste tranquille. Alors, évidemment, plus vous visez la tête, et plus vous faites de dégâts. Vous le voyez, ça en orange quand on vise la tête, c'est en blanc quand on vise le corps. Donc ça, c'est logique. Il y a vraiment la localisation des dégâts qui est présente. Attends. Fait péter. Allez, on va changer un petit peu parce qu'il commence à y avoir un petit peu de monde. Motherfucker! Attention, la bombe! Calmez-vous! Boum! Tranquille! Ah! Vas-y, prends-le, la petite fleur de lys qui me permet d'avoir l'attaque Mayhem. C'est parti. Alors là, regardez, l'attaque spéciale de Attack, c'est simplement de lancer des mines et de les faire exploser quand vous le souhaitez. Et ça, les gars, c'est juste énorme. Ah là, je viens de balancer une boule sans faire exprès, tu vois. J'avoue. Je viens de balancer une boule géante, un truc que j'ai fabriqué. Attends, je vais essayer de vous la montrer plus proprement. Je balance une boule, comme ceci. Voilà. Boum. Et les ennemis se la chopent. Oh, ça, c'est juste complètement fandard.
Ça franchement c'est juste excellent. Alors regardez, on est à 4 étoiles, enfin à 4 étoiles, ça y est, c'est l'habitude. On est à 4 de recherche au niveau de ses ennemis. Et c'est vachement fandard, c'est vachement fun. Alors évidemment c'est un petit peu du vu et revu hein, côté gameplay, il n'y a pas vraiment de particularité à ce niveau là. Mais vraiment, passé ce fait là, le jeu est ultra fun et je pense que vous pouvez prendre vraiment beaucoup de plaisir à y jouer. Vraiment, c'est du bourrinage total. Et moi j'aime beaucoup. Yeah, niveau 7. Oh, je t'ai vu toi là-bas. Ah, attends, je viens te chercher. T'as il descend. Wouhou. Et tu récupères à chaque fois de l'argent, etc. sur les soldats. Attendez. Hop là. Attaque spéciale. Bon, en tout cas, voilà, vous avez compris un petit peu le truc des fusillades. Je voulais absolument vous en montrer une avant de quitter cette vidéo, quand même. Hein. Pareil que ça se fait. Et donc, ça marche un petit peu comme un GTA. Vraiment, c'est... pour vous. Vulnérabilité, en plus. Grâce à l'attaque spéciale. Ah, mon perso est dead. Regarde. Mon perso est dead. Du coup, on change direct de perso. C'est pas grave. Impeccable. Là, j'ai la fleur de lys. Que se passe-t-il ? What? J'ai encore jamais vu ça, les gars. Exclusif à cette vidéo. Ah, 72 combinaisons possibles. Les capitaines. Ah, je découvre ça dans le jeu. J'ai encore jamais vu. What? Énorme. Ah, putain. What the... Et les capitaines, effectivement, il y a une particularité. Si j'ai pas de conneries, c'est que la barre bleue, tu peux... Selon, en fait... Alors là, je vais mourir, je pense. Hein. Allez. Attention. Oh là 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 là. On va crever. Ah, je pense que je suis mort avec le... Ouais. Ouais, ça va être dur. Balance tout, mec. Bien joué. On l'a eu, je crois. Ah non, on l'a pas eu. Il est presque mort. Déglingue-le. Oui. Niveau d'alerte de Légion réinitialisé. Ah d'accord. Ah mais en gros quand tu tues le chef, après t'as plus de recherche. Ah mais c'est excellent. Pourquoi il tourne? Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là, il fait de la danse je sais pas quoi. Excellent. Ah mais d'accord, en gros quand tu tues le gros chef après, ça réinitialise complètement le niveau de recherche. Eh ben écoutez, c'est génial. Ah franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a été une exclusivité pour moi. Je n'avais pas encore vu dans le jeu. Les capitaines, ah c'est excellent. Allez, eh ben écoutez, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu, en tout cas sur Agent of Mayhem. Franchement, un jeu plutôt sympathique. Je vous dirai vraiment s'il est sympathique ou excellent quand j'y aurais pu jouer. En tout cas, c'est un plaisir de vous présenter cette vidéo. Un grand merci encore une fois à Koch Media. Alors je sais pas si on dit Koch Media, Core Media ou Koch Media. Pour l'envoi du jeu, merci à vous vraiment, ça fait plaisir de voir des éditeurs qui partagent justement avec les youtubeurs, avec la presse, etc. Merci à vous, merci à ceux qui ont regardé la vidéo, donc merci à vous, voilà les abonnés bien sûr, d'être autant présents à chaque fois pour les vidéos. Portez-vous bien, un petit pouce bleu si ça vous a plu, vive les jeux vidéo et à la prochaine, salut tout le monde.